À des paparazzis, je vous préviens, mon bon profil, c'est le côté droit. Putain de merde, c'est quoi ton problème? Lâche ça, sinon la balle que je vais te rentrer va te ressortir par le trou de balle. Et c'était pas pour le jeu de mots. Pourquoi tu as filé ton autographe à cette pauvre fête et pas à nous? Alors qu'on se branle tous les soirs en pensant à toi. Nique ta maman, comment je pouvais le savoir que vous voulez un autographe? C'est quand même assez voyant, sa salope. Ouais, pas faux, mais bref, repousse ses flingues, sale bâtard. Lara Antelove. Vas-y, signe-moi avec des mains pro des fellations, notre putain d'autographe. Impossible. Exactement. Pourquoi j'attire toujours les tarés? Où est Alistair? Nous ne l'avons pas revu. Ok, ça me laisse de l'avance. Il a dû me montrer une preuve d'amour en écrivant sur un papier géant avec son sperme qu'il m'aimait. Bon, tirez-vous le feu, c'est bon, mais ça brûle. Arrête de pioncer par terre, réveille-toi, sale clocharde. Tu sais où se cache la Renoir? Je cherche cette pute depuis 10 minutes, mais je la trouve pas. Pourquoi tu la cherches? Elle a niqué encore un autre chiot? Non, elle s'est calmée sur ça. Elle est pas morte, cette pute. Elle joue encore à un jeu de construction. Prends-toi ça dans la gueule, poufias. Coucou Lara. J'ai le droit à ma récompense? Ah, te voilà, sale pute de merde. Ta récompense, tu peux te la foutre dans le cul. Natla était pas morte, c'est moi qui l'ai niqué. J'hésiterai pas à te violer, Lara. Laisse-moi te toucher, j'ai besoin de ton corps. Crève, sale pute. Dégage, sale clone de Lara. Bon, là, elle est bien morte. J'en pouvais plus de ces chiennes. Mais le truc, c'est qu'elles vont toutes ressusciter dans les prochaines parodies. Bon, maintenant, je suis pas la seule à être victime du côté sadique de notre créatrice. Bon, maintenant, il reste plus que nous deux. Et merde. Plus pour très longtemps, t'inquiète pas, sale blonde de mes deux.